Bonjour, c'est Lionel et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler, ça va être plutôt lié au business, je vais parler de vente directe, marketing relationnel. Vous savez, le marketing relationnel, on appelle ça aussi le marketing de réseau, on n'aime pas trop, surtout en France, surtout dans le système français, on n'aime pas trop, on a peur, on a des doutes, on se dit que c'est illégal, etc. On parle de système pyramidal souvent. Donc je vais parler un peu de tout ça pour... Voilà, déblayer un peu le chemin et dire ce qui est légal, pas légal peut-être aussi. Parler de vente directe. La vente directe, c'est reconnu. Ça a même été reconnu sous le gouvernement Sarkozy et même, j'irais encourager. On appelle ça être VDI, la vente directe. Et derrière la vente directe, souvent, il peut y avoir du marketing relationnel. On va parler de tout ça, si vous voulez bien. Et puis... pour ceux qui sont vraiment intéressés, je leur présenterai une façon de le faire aussi, de faire de la vente directe, faire du marketing relationnel. Et pourquoi pas, dans les temps qui courent, c'est toujours un plus voilà, de se faire un petit billet de 500 ou plus, voire l'infini, j'allais dire, au niveau de la rémunération, car c'est possible. Ça fait partie des avantages du marketing relationnel aujourd'hui. À tout de suite. Alors oui, aujourd'hui, j'avais envie de parler de vente directe, hein, la vente directe et de marketing relationnel, marketing de réseau, si vous voulez. On l'a souvent appelé sous la forme, pris sous la forme de marketing de réseau, multi-level marketing, etc., MLM aussi, si on prend les raccourcis. Bon, moi, j'aime le terme marketing relationnel parce que c'est par le relationnel qu'on développe l'activité, tout simplement. Alors, il y a eu une époque, ça a été sous les premiers... MLM, on va dire, hein. Le MLM est arrivé quelque part par la famille Blanchard. C'était ce qu'on appelait Amway. Amway, c'était les tout débuts, c'est arrivé par le Canada. Et c'est même cette même personne qui a créé, si on reprend un peu l'historique, les maisons d'édition Un Monde Différent, qui existe aujourd'hui. On le retrouve aussi sur... libreentreprise.com si vous voulez aller voir les livres qui sont repris chez Un Monde Différent. Un Monde Différent, c'est au Canada, et Libre Entreprise, c'est du côté de Strasbourg, je crois, dans ce coin-là. Et Amway, ben, est venu s'installer. À l'époque, le fils de ce monsieur, Blanchard, est venu, son fils est venu s'installer à Lyon pour mettre en place Amway, qui était un marketing relationnel. Marketing relationnel ou marketing de réseau, ça a toujours été bien perçu, bien accepté, bien entendu, au niveau américain, au niveau canadien. On va dire que le marketing relationnel est issu du système américain, tout simplement. Alors, on aime ou on n'aime pas. Alors, on n'aime pas souvent, bah, ceux qui ne l'ont pas fait n'aiment pas, ceux qui l'ont mal fait n'aiment pas. Et ceux qui ne passent pas l'action lorsqu'ils sont dans un marketing relationnel ne vont pas l'aimer et vont le détester. Et pourtant, c'est malgré tout un système. S'il est bien utilisé, bien pris, et si vous êtes sur un bon concept, ça j'y reviendrai, le bon concept, et pas une arnaque, c'est là où on a tout mélangé à un moment donné, parce qu'il existe des types de MLM. Marketing relationnel, ça marche de la même façon, c'est par le partage, le faire connaître à ses relations. Le marketing relationnel, c'est le relationnel. On va communiquer, parler du produit, le faire essayer, etc. Oui, il y a eu de tout et n'importe quoi, et encore aujourd'hui, hein, plus que jamais, on a de tout et n'importe quoi, c'est-à-dire des concepts, voilà, c'est, on appelle ça des systèmes boules de neige, des systèmes où c'est lié à l'argent, on rentre en prenant un abonnement, on reçoit rien en échange, ou même un kit de démarrage ou quoi que ce soit, c'est une arnaque totale. Bon, soit dit en passant, malheureusement ça existe, et il n'y en a jamais eu autant, même si c'est interdit. Alors, allez savoir, ça c'est pas légal. Tous ces systèmes où vous allez payer un droit d'entrée, et puis tous les mois éventuellement payer un abonnement,
Souvent, on le voit actuellement, c'est sous des formats liés à des placements, à de l'argent, peut-être de la crypto-monnaie aussi, je vois ça arriver aussi. Bon, à un moment donné, ça va se casser la gueule, ça va dégringoler. Ok, il y a le Bitcoin, mais c'est pas forcément MLM. Derrière, par contre, le Bitcoin, il y a eu des crypto-monnaies qui sont installées sous format marketing relationnel. Alors moi, je ne veux pas rentrer là-dedans, j'aime pas, je déteste, ça m'intéresse pas de toute façon. Si ça marche, tant mieux. À mon avis, non, parce que je ne le sens pas légal du tout, ce système. On a parlé de Ponzi aussi, vous savez, ce système, ça ressemble à ça, où on vous pique de l'argent et voilà, c'est un système pyramidal. Et c'est le bonhomme du haut, celui qui a mis ça en place, qui s'en met plein les poches, j'allais dire les fouilles, et puis il disparaît. Sauf si on arrive à l'arrêter avant. Mais des fois, voilà, le système va exister un certain temps et disparaître avec l'argent et ça s'arrête là. Et là, tout le monde est perdant. Donc moi, je ne parle pas de ça du tout. Je parle de système dit de vente directe, si possible. Quand le système est dans de la vente directe, il va faire partie d'un système souvent qui va être reconnu par la fédération de la vente directe. Donc ça, c'est légal, tout à fait légal. Et derrière, il peut y avoir un marketing relationnel. Et ça, c'est bien aussi parce que le marketing relationnel va vous permettre de mettre en place un revenu récurrent. C'est-à-dire que tous les mois, vous allez avoir des rentrées d'argent parce que les gens auxquels vous avez présenté le produit, eux-mêmes développent l'activité, font du chiffre d'affaires et vous allez toucher une commission, une rémunération sur le chiffre d'affaires. Ça, c'est bien, c'est légal, c'est parfait, il n'y a pas de souci. Surtout, alors je dis légal, oui, surtout, si c'est lié à un produit physique, c'est encore mieux. Moi, je préfère un produit physique. Alors, il y a produit physique et produit physique. Je vais vous raconter un peu mon histoire par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai fait du marketing relationnel et j'avais décidé de plus en faire et aujourd'hui j'en refais, je vous explique pourquoi. Là où j'ai vraiment commencé à faire plein pot réellement du marketing relationnel, c'était avec une société qui vendait de la Bédaseil, une bouteille avec je crois de tête encore 17 fruits à l'intérieur dont la Bédaseil et qui s'appelait Mon Avis. Alors oui, j'ai été au départ de la société Mon Avis, donc certains qui regarderont la vidéo pourront témoigner parce qu'ils sont encore en contact avec moi. Et alors c'était un très bon produit, rien à dire. Bon, la bouteille est un peu chère à mon avis, et quelque part on n'avait pas les autorisations en France, comme d'habitude, hein, bien entendu. C'est souvent le cas en France. Et donc, voilà, il y a tellement de réglementations que souvent, ben, c'est hyper long ou difficile de l'implanter. Et donc, ben, on a fait le développement un peu comme le trafic d'alcool à une époque aux États-Unis, il y a longtemps. Et j'allais dire, les bouteilles, on ne pouvait pas les recevoir, on ne pouvait pas les faire expédier vers la France. Et elles étaient stockées au Canada, tout simplement, qui était en ouverture, qui avait les autorisations, comme plein d'autres pays, bien entendu, sauf la France. Alors, c'était pas évident, hein. Mais malgré tout, j'avais mis en place un concept de formation qui permettait de mettre en place des présentations d'opportunités d'affaires. Et on était trois, il y avait Bruno, il y avait Pascal, moi-même. On avait appelé ça le groupe BDH Développement. On s'était réparti la France. Puis la formation, on l'avait créée chez moi un week-end dans le sud de la France, du côté de Grasse, à Grasse même. Et on avait passé un week-end à travailler dessus. On avait mis tout en place. Une formation qui durait 2 jours. Une journée. Mais nous, on avait passé 2 jours à la préparer. Et puis, voilà, c'était rouleau compresseur dans le sens où voilà, on avait des échantillons malgré tout, pas toujours, mais souvent, et on a développé. Alors moi, personnellement, à l'époque, j'ai eu un peu plus de 240-250 distributeurs, personnes inscrites qui développaient, mais rapidement, hein, surtout avec l'outil Internet, que je maîtrisais déjà, mais que je maîtrise encore plus aujourd'hui. Et ça, c'est fabuleux quand on est dans le marketing relationnel. Et les produits n'arrivaient pas et tout,
ça me convenait pas par rapport aux gens inscrits qui attendaient au moins leurs 2 à 6 bouteilles. C'était lourd à gérer, il fallait acheter tous les mois pour rester. Et c'est ça le problème du marketing relationnel dans la plupart des marketings. Vous allez avoir un droit d'entrée avec un pack pour entrer dans l'activité. Et puis tous les mois, on appelle ça se faire les points volume nécessaires pour rester activé. On va mettre en place ce qu'on appelle un auto-ship, souvent, version américaine. Hein, et tous les mois, vous devez en automatique commander des bouteilles. Mais voilà, imaginez quand elles n'arrivent pas le désagrément pour vous-même et surtout pour les gens que vous avez fait rentrer. Donc j'ai abandonné. Et c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit j'arrête, je fais plus ça, c'est bon. Et ce système de payer le droit d'entrée avec des produits, un kit de démarrage, ok. Mais après, l'abonnement tous les mois, c'est lourd, c'est très lourd. J'ai vu des gens s'endetter dans plein d'autres MLM. Pour la petite histoire, moi-même, comme j'étais un peu devenu un spécialiste dans le marketing de réseau suite à ce développement rapide que j'avais mis en place, je me suis mis à accompagner des gens qui étaient dans le marketing relationnel. Ouais, il y en a eu plein, hein, beaucoup dans l'aloe vera, mais voilà. Et puis dans plein d'autres que j'accompagnais, j'ai été contacté par une société qui s'appelait Equilibrium, qui voulait développer par le marketing relationnel des produits cosmétiques bio. Bon, j'ai fait un bout de chemin avec, mais pareil, c'était encore les kits de démarrage, le fait d'acheter tous les mois, c'était pas clean pour moi, ça n'allait pas. Et j'ai dit j'arrête. J'arrête tout simplement, je voulais plus entendre parler. Puis j'ai continué dans tout ce qui est développement personnel, web marketing, marketing internet, les promotions d'Anthony Robbins, la création de mon école en oxylothérapie, etc. Et puis il s'est trouvé qu'à un moment donné, ça reste toujours en suspens ce côté marketing relationnel, parce que c'est vraiment un levier extraordinaire, le marketing relationnel. Et comme je disais tout à l'heure, ça va vous permettre de créer un revenu récurrent. À un moment donné, si vous bossez dans un bon marketing relationnel pendant au moins, 3 ans, 3 bonnes années minimum, vous allez avoir une rentrée permanente tous les mois, que vous soyez actif ou pas. Ça, c'est fabuleux. Bon, ce côté-là, j'en ai toujours été convaincu, mais il me fallait trouver le bon marketing relationnel. Alors, quand je dis le bon, il y en a plein des bons, il y en a plein des mauvais aussi. Donc, il faut vraiment choisir le bon. Et puis moi, je ne voulais plus m'empêtrer avec ce système d'abonnement tous les mois. C'est trop lourd. Et puis acheter tous les mois, acheter. Alors pour moi-même, mais aussi pour les gens que j'allais faire rentrer dans un marketing relationnel. Et à me dire, il y a des risques que des gens s'endettent à toujours devoir prendre des achats tous les mois. Ce fameux auto-ship. Et puis, la vie est bien faite. Parce qu'à un moment donné, j'ai retrouvé un ami de longue date qui m'a représenté un concept. Alors pour la petite histoire, j'ignorais que c'était un marketing de réseau, marketing relationnel à l'époque. Mais c'était de la vente directe. C'était parfait pour moi. Surtout que je cherchais des produits complémentaires pour les oxylothérapeutes, les gens que je forme au coaching en oxylothérapie, à devenir coach en oxylothérapie, pour avoir des revenus complémentaires. Et surtout, ce concept leur permettait de mettre en place des séances payantes grâce à ce concept, tout simplement, plus leur accompagnement. Pour moi, c'était vraiment parfait. C'était 100% correct pour moi. Donc, j'ai adhéré à ce produit que j'ai connu autrefois sous un format plutôt audio et c'était de l'audio, ou alors c'était le package qui allait avec était trop encombrant pour moi, donc j'avais laissé tomber. Mais là, j'adhérais totalement puisque je les connaissais déjà plus ou moins. Et puis le concept tel qu'il est aujourd'hui, pour moi, il est parfait. Dans ce marketing relationnel, ce qui est parfait, c'est que oui, on a un achat au départ, mais il nous sert à nous. Il va nous servir à nous pour nous accompagner dans le bien-être, le développement personnel, plus de 170 programmes pour nous aider dans tous les domaines, dans vraiment tous les domaines. Il est issu de 30 années de recherche, 20 années d'essais cliniques. Il est accepté avec des certifications dans le monde entier. Il a toutes les certifications possibles, ce que je n'ai pas souvent trouvé
dans d'autres MLM. Et surtout, il est utilisé dans les hôpitaux, les cliniques, dentisterie. Et quand j'ai su que l'un des premiers clients avait été la NASA, j'ai adoré tout de suite, je vous l'assure. Et quelques temps plus tard, j'ai découvert que c'était de la vente directe, ok, mais qu'il y avait aussi un réseau, un marketing relationnel, un marketing de réseau en dessous qui pouvait être développé pour ceux qui le désirent tout simplement. Et un système sur 6 niveaux. Voilà. Alors tout de suite, j'ai dit, oulala, attention, comment ça va se passer, marketing relationnel, obligation d'acheter tous les mois. Et bien pas du tout, pas du tout. Un seul investissement au début, parce que ce concept-là, pour le développer en vente directe, eh bien, il faut les faire essayer aux gens. Et quand ils les essaient, ils veulent les acheter tout simplement. Ça paraît fou, mais c'est comme ça, avec un programme conçu spécialement pour ça. Les gens l'essaient et ils veulent l'acheter. Ça, j'avais pas encore découvert ça. Ça, c'était le premier point fort. Et puis, le deuxième, c'était d'apprendre que dans ce réseau, il n'était pas nécessaire d'acheter tous les mois. Alors, ce qu'on nous imposait dans ce réseau, c'était de faire au moins une vente tous les 6 mois, donc 2 par an, pour toucher les revenus récurrents en profondeur, tout simplement. Pour ceux qui sont dans du marketing relationnel, vous savez de quoi je veux parler. Donc ça soulage pas mal, hein, quand vous voyez tous ces autres marketing de réseau, pour ceux qui en ont déjà fait, qui ont abandonné, qui ont été déçus bien souvent, de s'empêtrer dans des systèmes à stocker du matériel, à devoir acheter tous les mois, à être abonné. Puis il y a tous les systèmes bidons. Où on est abonné, on n'a rien, quoi. Ça, c'est autre chose. Où on est abonné, mais si on veut utiliser, il faut encore acheter, il faut encore payer, il faut encore... voilà. Il y a toujours quelque chose à payer. Et bien là, dans mon marketing, maintenant je dis mon marketing relationnel, et je l'aime, ce marketing relationnel, je l'aime parce qu'il m'aide énormément pour me coacher moi-même, pour m'accompagner moi-même. Je sais qu'il aide d'autres personnes. Récemment, j'ai fait un salon. Vous savez, quand on fait essayer les lunettes et qu'on récupère les gens à la fin de l'essai, ils ont une autre physiologie, ils sont différents. Il y a ceux qui arrivent en disant, bah moi ça marchera pas, ils sortent de là, ils sont tellement paniqués, j'allais dire, parce que ça a marché, fonctionné sur eux. Il y a ceux qui sont hyper stressés, qui sont relaxés totalement, ceux qui n'ont jamais dormi réellement de leur vie, qui s'endorment pendant l'essai. Voilà, je pourrais faire des milliers de témoignages sur ce que ça apporte. Eh bien là, je suis convaincu que je suis vraiment dans un énorme, exceptionnel, excellent marketing relationnel, je vous l'assure. Non seulement je m'aide moi-même, j'aide les autres et je gagne de l'argent. Mais quand je dis gagner de l'argent, correctement, hein, bien entendu, c'est pas des petits 500 euros par mois. Quand je dis ça, c'est que lorsque j'ai acheté mon pack et lorsque j'ai activé, le jour où j'ai activé mon réseau, que j'ai commencé à en parler, à les faire essayer, en 3 semaines, j'avais amorti mon investissement. En 3 semaines. Là, je viens d'aller au Canada. J'ai un ambassadeur qui m'a fait confiance, un distributeur de ce concept. Il a mis en place les lunettes. Je suis allé le voir. On a mis un salon en place. Ça a duré 2 jours. Pendant le salon, en 2 jours, il avait fait 1 200 $. Et il fait quasiment ça tous les mois. Il a un objectif de 2 000 $ pour ce mois-ci. Quand je dis ça, c'est que si on le fait correctement, si on n'a aucun doute, aucune peur, si on n'est pas dans les peurs de se dire c'est un marketing de réseau, c'est un MLM, c'est pas bien, c'est pas légal. Si on sort de ça en se disant c'est exceptionnel, ça m'aide, ça va aider les autres et je vais gagner de l'argent en toute légalité, dans ces cas-là, c'est la voie, l'autoroute qui s'ouvre et les ventes qui se font en accéléré. C'est ça la différence. C'est une question de mental, comme dans tous les systèmes de vente. Quand je dis ça, c'est qu'il y a des gens encore qui n'y arriveront pas, et il y a des gens qui y arrivent parfaitement, qu'on m'explique la différence. Et je peux vous assurer que je suis allé au Canada, pour la petite histoire, on m'avait dit oui, mais alors la ville où vous allez faire un salon, alors ce sont des Canadiens qui disaient ça, vous n'allez pas au bon endroit, c'est pas là où ça peut se développer. Et en fait, aujourd'hui, le Canada, j'ai l'impression que le Canada s'ouvre par cette ville qui, soi-disant, n'aurait pas pu adhérer à ce produit. Et ils sont, mes amis canadiens qui se trouvent là-bas, sont excellents. Je dis excellents parce qu'au Canada, on parle comme ça.
En Canada, on ne nous dit pas ben, « je vais essayer, je vais voir si ça marche ». Quand vous leur parlez, ils vous disent « excellent, exceptionnel ». Ils ont un vocabulaire et un mental de gagnant, un mental positif. Et c'est ça qui fait la différence, mais dans tous les marketing de réseau au monde. Donc vraiment, là, je vous assure, je suis persuadé d'être dans un excellent marketing relationnel. Je lui souhaite longue vie à ce marketing relationnel. Quand je dis « je lui souhaite longue vie », ben plus longtemps il existera et je sais que ça ne s'arrêtera jamais, eh bien, le plus longtemps je gagnerai de l'argent et je ferai gagner de l'argent aux gens qui me rejoignent pour devenir des distributeurs, des ambassadeurs de ce concept exceptionnel. Alors voilà pourquoi il ne faut pas dire n'importe quoi quand trop rapidement j'entends dire c'est un système pyramidal, c'est pas légal, etc. Il y a ceux qui n'ont pas réussi parce qu'ils ont déjà essayé, mais ils ne l'ont pas fait correctement, ils n'ont pas eu le mental correct. Ou alors ils se sont retrouvés dans un marketing relationnel qui n'était pas légal, justement, qui n'était pas correct et qui endettait malheureusement tous les mois ses distributeurs et les gens qui étaient dans ce marketing de réseau. Et là, ok, je dis oui, c'est pas bon. Donc là, si je résumais, si vous êtes intéressé pour m'y rejoindre, je suis vraiment dans un MLM, j'appelle plutôt ça marketing relationnel, j'aime bien, je préfère, qui est vraiment exceptionnel, qui est dans le bien-être, dans la santé, dans le développement personnel. On est avec plus de 170 programmes aujourd'hui dans plusieurs langues. On ouvre le monde entier actuellement. On a les autorisations dans le monde entier, donc il n'y a pas de peur à avoir. On n'est pas dans l'illégalité. Quand vous ouvrez ce marketing de réseau, c'est à votre adresse physique, sans risque. On ne va pas vous faire inscrire à un pays où vous n'habitez pas pour faire croire que vous y êtes résident, pour faire croire que c'est légal. Non, pas du tout. On est dans la légalité à plus de 100% par rapport à plein d'autres MLM que je connais. On est vraiment dans du vrai, dans du légal. Un seul investissement, bah parce que ce concept, il va vous servir à vous pour évoluer dans votre bien-être et votre développement personnel, ou si vous avez des douleurs, des choses à régler au niveau de votre santé, tout simplement. Il va vous servir pour les faire essayer à des futurs clients qui vont vous les acheter et qui, pour la plupart, vont développer l'activité également. Il suffit de les encourager, leur faire comprendre qu'en parlant, c'est ça le marketing relationnel, en parlant, ils vont toucher une rémunération chaque mois, tout simplement. Ça, c'est que du bonheur. Donc ça, c'est l'autre avantage. Et surtout, bah, une fois que vous avez acheté, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'acheter tous les mois un concept comme on le voit dans plein d'autres MLM ou alors d'être dans un abonnement mensuel non-stop avec des conditions, etc., des obligations. Là, il n'y en a pas, là. On vous demande simplement de faire une vente tous les 6 mois pour toucher ce que vous avez gagné en profondeur, tout simplement. Ça, c'est magique. Vous voyez, dans le pire des cas, celui qui les achète et qui ne développe pas, ben, va avoir sa vie qui change, va avoir sa vie transformée, va vraiment travailler sur son bien-être, va avoir des nuits correctes, va peut-être arrêter le tabac, perdre du poids, être dans le lâcher-prise, gérer son stress. Si vous voyagez, vous allez... Vous savez, quand on voyage, moi je voyage beaucoup, je repars au Costa Rica là encore, il y a ce fameux jet lag, le décalage horaire. Souvent, quand on arrive, on a la tête dans le cul, on va dire, pendant au moins une journée et demie, voire plus. Quand je pars en Nouvelle-Calédonie, c'est beaucoup plus. C'était beaucoup plus. Et là, avec ces programmes que l'on utilise avec ce concept, on récupère le décalage horaire, le fameux jet lag. Imaginez, au lieu de perdre une journée ou voire une semaine avec la tête dans le gaz, eh bien vous allez amortir forcément le temps sur place en voyageant, en visitant, en faisant votre business tout simplement. Ça change la vie, mes amis, je vous l'assure. Je suis vraiment comblé et heureux d'être dans ce marketing relationnel et je vous souhaite la même chose. Donc si vraiment ça vous intéresse sans engagement de votre part, allez voir sur le lien, inscrivez-vous, le lien va apparaître où il est sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo. Inscrivez-vous sans engagement, vous allez recevoir des informations, on va pouvoir se parler par téléphone, on va pouvoir échanger
Je pourrais vous le faire essayer aussi, ce concept, ou un des ambassadeurs selon la région où vous êtes. Et puis, vous n'allez pas le regretter. Je vous assure que vous n'allez pas le regretter. C'est vraiment un marketing relationnel exceptionnel. Donc voilà, maintenant vous savez ce qui est légal, pas légal, ce qui est bon, pas bon. Ce qui a été compliqué dans mon expérience du marketing relationnel, mais qui aujourd'hui, parce que je savais à une époque ce qu'était le marketing relationnel et ses avantages, c'est-à-dire pouvoir se créer un revenu récurrent, je suis heureux aujourd'hui d'avoir semé cette expérience qui a été non pas un échec aujourd'hui un tremplin, car il est devenu un tremplin parce que je savais que ça existait, d'être revenu dans un marketing relationnel d'exception. Et je vous souhaite la même chose, tout simplement. Si vous avez déjà été déçu, je vous assure que là, vous n'allez pas être déçu. Si vous n'avez jamais fait de marketing relationnel, si vous cherchez un revenu complémentaire, si vous cherchez un revenu récurrent permanent tous les mois, eh bien, vous êtes au bon endroit. Et puis, je serai votre guide, je serai votre coach, votre mentor. Je vais vous montrer le chemin. Lorsque vous allez créer des événements, si je le peux, selon mon planning, je serai présent. Je vous accompagnerai, je ne serai jamais seul pour y arriver. Et puis vous allez, c'est mon but pour ceux qui me rejoignent et qui le désirent bien entendu, vous allez obtenir la même chose que moi tous les mois tout simplement. Et je vous assure que c'est un plus énorme dans la vie d'avoir ces rentrées d'argent. C'est vraiment fabuleux. Donc si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien, rejoignez-moi, contactez-moi. Et puis sinon moi je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine vidéo, alors j'en referai une ici au départ de l'Espagne, après ça sera depuis le Costa Rica. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Surtout n'attendez pas, passez à l'action, transformez votre vie et celle des autres. Et sinon, je vous dis à très bientôt et à ciao !